ערב טוב לכולכם. On s'est arrêté hier, Daf Tetva Bamoucheni, en bas de la page. Je vais reprendre un cas, comme j'ai dit hier. Tashma, Amkare Sukato Beshipodin, Obarukot Amita, Im Yeshrevah Benem Kemotan Kshera. Donc, on voit de cet enseignement-là, donc celui qui fait une souka. Et cette souka, elle a des chipodines, donc des barres de fer, qui sont donc pas sous l'esrach, donc c'est Mekabel Touma, ou bien Arukot Amita, c'est aussi Mekabel Touma, les barres du lit, la longueur du lit. Ces barres-là sont Mekabel Touma. Imeshrevah Benehem, si maintenant il y a un espace entre deux chipodines ou deux Arukot Amita, ouais. Cet espace-là est égal au chipoud, ou bien égal au harukat amita. Et bien sûr, dans cet espace-là, tu mets du srar. Et bien, dans ce cas, l'ekshera. Donc, on voit ici que quand c'est égalité, c'est kasher. Donc, c'est comme Rav Papa, pas comme Ravuna, bre de Rav Yehoshua, Pusha contre Ravuna, bre de Rav Yehoshua. Bien qu'on a déjà posé une question contre Ravuna, bre de Rav Yehoshua, on a une deuxième question contre lui maintenant. Alors, répond la Gemara à Rabbi Maaskinan, Keshin Nichnas Biyose. L'espace qu'il y a entre les deux Arukot Amita, eh bien, il est un peu plus large. Ça veut dire que c'est qu'Arukot Amita, mais que l'espace il est égal, mais égal entre deux Arukot Amita, mais que tu peux faire rentrer et sortir facilement. Donc, c'est-à-dire forcément, c'est un peu plus spacieux, plus large que les Arukot Amita eux-mêmes. Et c'est pourquoi. C'est kasher selon la vona bered de Rav Yehoshua aussi. Le mot la Gemara, v'ha efshar le samsem. Ça, c'est la girsa de la Shia. Tout à l'heure, on verra la girsa de Tosfot. V'ha efshar le samsem. Voilà, c'est possible de faire pile. Ça veut dire qu'on a compris que pourquoi on a dit qu'on parle ici que Shinichas v'yose, comme si ce n'était pas possible de faire pile. On m'a dit, mais voilà, on tient que efshar le samsem. Répond la Gemara, amara biyami bemaadji. C'est vrai que. Mais on ne parle pas de ce cas-là. On parle d'un cas de Mahadif. En fait, il est un peu plus large. L'espace entre deux Shippudim, ouais, est plus large que l'espace, que la largeur d'un Shippud lui-même. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Rava Amar, Imayun et Toni Maerev, Notno Sheti, Sheti Notno Erev. Donc, Rashi a expliqué comment ça. Si maintenant, vous avez que le chipodim se trouve sur la longueur de la souka, vous allez mettre le srach dans la largeur de la souka. D'accord? Comme on a vu hier dans la photo, de telle sorte à ce que le srach, il est forcément sur les chipodim aussi. Donc, non pas uniquement qu'il couvre l'espace qu'il y a entre les chipodim, mais il couvre aussi une partie des chipodim. Et ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que finalement, il y a forcément plus de skar kasher que de skar pasoul. Et dans ce cas-là, c'est kasher. D'accord? Bien que c'est égal, puisque finalement, il y a plus de skar kasher que de skar pasoul. Le skar pasoul, il est battel par rapport au skar kasher. Voilà comment ça sort selon Rashi. Point. Je continue encore quelques lignes de Gemara. D'accord? Et après, on fera tout ça. Tashma. Shayara shehanta bibika, une shayara, c'est-à-dire un convoi, shehanta bibika qui est donc à camper dans une vallée, une vekifua gmalim bigmalim beakufot, et ils l'ont entouré, ils ont vekifua la bika là où se trouve, ils l'ont encerclé bigmalim avec des chameaux beakufot avec des selles, ba'avitin. C'est quoi Avitin Rachidi, ce sont les coussins qu'on met sous les selles.
du gamal, bishlifin avec les charges, bekanim avec des bouts de bois qu'on a plantés au sol, bekolachot avec des klahim, des tiges de yarakot, yarashi, d'accord? Metaltelin betocha, on pourra déplacer à l'intérieur. C'est-à-dire, on a réussi à construire ici un reshut hayahid. Au bilvad, attention, il y a une exigence. Au bilvad, chez loyehe ben gamal et gamal, kim lo gamal. Il ne faut pas qu'il y ait entre deux gimalim l'espace d'un gamal. Kimlo ou ben ou kaf le ou kaf. Kimlo ou kaf. Entre deux ou kaf, l'espace d'un ou kaf. Ou ben avit le avit. Entre deux charges, ouais, deux marchandises. Kimlo avit. L'espace d'une charge. Donc on voit ici que quand c'est égal, c'est problématique. Donc ça, cette fois-ci, c'est une kushia contre Rav Papa. Ça va dans le sens de la Vunabre de la Yoshua. Répond la Gemara, Achanami, Kishenichnas, Veyose. Là aussi, on parle que quand on a dit il ne faut pas qu'il y ait entre deux gamals, Kimlogamal, le Mlogamal, c'est quoi Mlogamal? Il rentre et sort facilement entre les deux gamalim. C'est-à-dire, autrement dit, l'espace est plus grand que la largeur d'un gamal même. Et donc, il y a plus de palos que de remèdes. Et c'est pourquoi ce n'est pas bon. Donc, Rav Papa et Meyushav. Fin de la Gemara. On n'a pas fini encore la Gemara. Toute la Gemara, elle va traiter cette mahloket-là qu'il y a entre Rav Papa et Rav Unabre de Rav Yoshua. Jusqu'à la fin de la Gemara, où on tranchera la halakha comme Rav Papa, en conclusion. Tosfot, dernier Tosfot de Tetoua Ramoucheni, en bas de la page. Rashi, Garis, Vea, Efchal et Semsem. Comme on a dit hier, on a répété aujourd'hui, Rashi, Legores, Vea, Efchal et Semsem. Mais voilà, on peut faire pile, d'accord? On peut faire pile. Comme si la Gemara l'a compris. Pourquoi tu as besoin de dire Yosef Venichnas? Comme si tu as dit, tu ne peux pas faire pile, donc Yosef Venichnas. Non, on peut faire pile, Efchal et Semsem. D'accord? Et qu'est-ce que la Gemara a répondu? Première réponse, c'était, ben c'est, on parle de Maradif. C'est vrai qu'Efchal et Samsem, mais je dois dire qu'on parle qu'il y a plus d'espace que, entre deux barres que la largeur de la barre elle-même. Et la deuxième réponse, celle de Rava, on parle Im Ayun et Tonim Aerev, Notno Sheti, ou réciproquement Sheti, Notno Aerev. Rashi, Garis, Vea, Efchal et Samsem, Pirush, Kiwan, Efchal et Samsem, donc quand on a dit Kamoto, c'est Dafka, puisque Efchal et Samsem. Amar Avami, Amar Abiyami, Bemadif, Kloma. Matnitim, Belosimsem. C'est vrai qu'Efchal et Samsem, mais on doit dire qu'on parle Losimsem, bien qu'il y a écrit Kamoto. Mais Kamoto, de Katane, Beyosev et Nichnas. D'accord, c'est là Dafka Kamoto Kipchuto. D'accord, c'est Beyosev et Nichnas. Ce soit, on posait quatre couchiotes sur le Mahalar de Rashi et la Gersa Kamoval. Le thème, première question. Dénze sougiat hachas, demchane be ma'adif, ven hochesh al kushiato. Ce n'est pas le derer du chasse, c'est ça, dénze sougiat hachas. Ce n'est pas l'habitude du chasse que la Gemara, demchane be ma'adif, que la Gemara répond be ma'adif, et il s'en fiche de la couchette du marché. C'est-à-dire, la couchette du marché, c'est quoi? Mais puisque Fchitar le Samsem fait pile. Elle a dit non, je ne veux pas faire pile. D'accord, il est pas recherche à sa kushia. Ce n'est pas grave, bien qu'écrit Kamoto et qu'on peut faire pile quand même. Ça, c'est question numéro 1. Question numéro 2. Pourquoi c'est une question? Parce que l'autre, il a dit, faisons ainsi, expliquons Kamoto, Kipchuto. Elle a dit non, on s'en fiche. Veot caché, deuxième kushia. Et Piresh Bederava et Mayu Netonim Shetinot Noere. Et donc, Rachid a expliqué, oui, Kaskar Kacher Tfe. Il y a donc plus de Skar Kacher que de Skar Pasoul. Repère Kama de Souka, Atnan. Alors, ce soit, il amène à Mekor contre ce que Rachid vient de dire ici. Là-bas, c'est enseigné Gabé Aose Soukato Tahataïlan, celui qui fait sa Souka sous un arbre. Imaya Siko Harbe Mehen. Si maintenant, Imaya Sikur Arbe Mehen, si le scar il a une plus grande quantité que l'arbre,
Oshik Sassan Kshera. Ou bien elle a coupé les branches d'arbre, c'est Kacher. Et la Gemara là-bas, elle a dit, tu sais de quoi on parle? Ça veut dire quoi, Keshehavtan? Quand il a pris le scar Passoul, bien qu'il y a plus il y a, les branches de l'arbre, bien qu'il y a un scar dans la soukha en plus grande quantité que le scar Passoul, qui est l'arbre, les branches de l'arbre, il est là, Havatan, Keshehavtan. Et c'est quoi Havatan? Rachid a expliqué là-bas, Keshehirvan Venikar. Ça veut dire qu'il a pris les branches et les a courbées dans le scar cacher, de telle sorte que maintenant le scar passoul n'est pas reconnaissable, et c'est dans ce cas-là qu'on dira que le scar cacher mevatel est un scar passoul. Sinon, non. S'il n'y a qu'un, on ne dira pas batel. D'accord? Au pire, je raconte la chambre que chez Edvan, venika les eaux passoul les eaux cacher. Or, selon toi, Rachi, chez nous, ouais, comment tu peux dire qu'il y a plus de scar cacher que de scar passoul, étant donné que le scar passoul, on le voit devant nous. Tac, tac, tac. Arukot amita. Donc, il n'y a pas de bitoul dans ce cas-là. Donc, à quoi ils sortent de fait? Ça, c'est question numéro 2. Question numéro 3. Veod. Les deux hakoud et amoraïm askaliba demandamar parouski omed asur de l'okaimalanahi. C'est difficile de dire que les deux amoraïm, que ce soit Rava, Rava ou que ce soit Rabbi Ami, ils sont en train de défendre en fait l'opinion de Ravuna, Bre, Dera, Yoshua. Étant donné que la Lacha finalement ne va pas être comme lui, mais plutôt comme Rav, Papa. Quatrième question. Veod, de l'oparir besamour, l'oparir besamour, qui mokin ami be Yosef venichnas, gabe shayara. Pourquoi la Gemara, quand dans l'histoire de la Shayara, quand on a dit qu'on parle de Keshinichnas Veyose, pourquoi la Gemara ne pose pas la question comme elle a posé avec Arukot Amita, avec la Souka? Et là-bas, la réponse de Rava, elle ne va pas marcher. Donc pourquoi la Gemara ne l'a pas posée? Voilà les quatre questions. C'est pourquoi Tosfot disent qu'a priori on devrait expliquer la Gemara autrement. Mais et comme la Girsa de Rabbeinu Hananel. Venir à que Girsa de Rabbeinu Hananel de Garis, Vea Iefsha le Samsem, pas Vea Iefsha le Samsem, Vea Iefsha le Samsem. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on a dit juste avant nous? Nous on a dit qu'on parle de Benichnas de Yosef, n'est-ce pas? On a dit Keshi Nechnas Yose. Demande la Gemara wa Iefsha le Samsem. C'est quoi la question? Sheistom kol ha'avir. Tu ne peux pas fermer tout le avir qu'il y a entre les deux barres de fer. Ouais. Venim sa She'en Echer Akasher Merube al ha'avir. Et donc ça va sortir comme tu ne peux pas tout boucher. Alors, En Akasher. Ça veut dire le cacher ne sera donc pas en plus grande quantité sur et le avir et le passoul et les barres de fer et le avir qu'il y a entre. Ou bien même, tu vas me dire finalement, on va tomber à égalité. Ouais, ça ne sera pas bon selon cette fois-ci. Ravuna Bredé le choix, parce que selon Ravuna Bredé le choix, égalité, ce n'est pas bon. Donc, la question, en fait, elle est et sur Rav Papa et sur Ravuna Breder Yeshua. Au parir, les coulées Alma, selon Rav Papa, a priori, tu pourras pas faire en sorte que même au niveau du avir, dans l'espace qu'il y a entre deux barres de fer, même le avir, tu l'as bouché, tous les avirs, tu as bouché. D'accord? C'est ça, Yves Charles Samsem. Tu pourras pas faire ça. Et même si tu arrives, tu arriveras à une égalité. Et une égalité, ce n'est pas bon même selon la voie de Choua. Et donc, la Kusta Kusha, elle est l'école à Alma. Umshane, Rabbi Ami, Bema Adif, Shebevada Yistom Kola Avir. Comment tu as répondu? Bema Adif, comment tu as répondu? Quand tu es Maradif, Yistom Kola Avir. Et c'est quoi le cas de Maradif? Alors, ici, il y a une photo dans Pirush Hai. Regardez, par exemple, c'est quoi Maradif?
La photo 220. Vous voyez, il a, ça, c'est, il est comme s'il a, il a mis du scar, même en, comme ça, en, en monticule. Je sais pas si vous voyez. C'est celle-là, cette photo-là. Voilà, c'est pas comme ici, c'est plat. C'est un peu en monticule comme ça, de telle sorte à ce que j'arrive à, voilà là, j'arrive à couvrir tout l'espace vide. Et donc, j'ai répondu pour les deux. Mettre à plat, c'est sûr qu'il y aura des vides. Mais mettre comme ça en boule, d'accord? Tu bouges tous les trous. Ça, c'est réponse numéro un. Shebevadai istom kol avir. Verava amar, et Rava répond, afirutema. Je peux te dire qu'on ne parle pas de ce cas-là. Imayun etonim shetinot noel, vas istom kol avir. D'accord? Si tu mets en, si les barres de fer, elles sont en long, toi, tu mets en large, tu as le moyen de boucher toute l'air sans aucun trou, d'accord? Sans laisser aucun trou. Wow. Selon cette girsa-là, on peut se poser une question. C'est quoi la question qu'on peut se poser? C'est que selon cette girsa-là, ça sort de Rabbeinu Hanel que nous tenons vers Yefchar le Samsem. Or, Tosfot qui s'accordent avec cette girsa-là, eux-mêmes, comme on l'a vu dans Tosfot précédent, on l'a vu encore avant, qu'on tient que Yefchar le Samsem bidé Adam. Comment ça se fait que Tosfot s'accorde avec cette girsa-là où on dit vers Yefchar les Samsem, d'accord, ça c'est la question qu'on peut se poser. Et cette question-là, elle est soulevée par Marsha, Aïncha. Regardez là-bas ce qu'il propose de répondre. Je finis Tosfot. Aval Farej Rava. Ne crois pas, dit Tosfot, que quand Rava il a donné une réponse, c'est parce qu'il est en désaccord avec Rabbi Ami. Il faut répondre comme moi et pas comme Rabbi Ami. Elle ferait d'avoir Kenyanze ahne le Rava velo be Ma'adif. Pourquoi Ma'adif, ça serait pas, ça serait un problème des Gazal d'une maloy Ma'adif? Parce que peut-être tu vas dire il pourra pas bien le faire le Ma'adif et donc il y aura des trous et donc c'est pas bon, donc j'interdis même Ma'adif dans tous les cas. De bechol asfarim galsinan be perek kama de souka Rava amar afilu tema beshino Ma'adif. Quand tu dis afilu tema beshino Ma'adif, ça veut dire que je suis d'accord avec la réponse de Ma'adif, mais je n'ai pas besoin de la réponse de Ma'adif. Point. Fin de Tosfot. On continue la Gemara. On est à Daftet Zayin Amud Rishon, cinquième ligne. Tashma. Amos, ça va par rapport à hier? Un peu mieux, Baruch Hashem. Hein? Merci. Baruch Hashem, Uber thé chaud ou Uber café? C'est Uber tisane. ouais Ok. pas moi transia. Transia, oui. Comme le nom de la femme, comme le nom de la femme, transia. Il y a des femmes qui s'appellent transia, je crois, Ah non? ouais. Ouais. Comme les drogues. Allez, comme les... Il Comme ça. n'y a pas de femme qui s'appelle Sponsor, non. C'est un peu étrange ce que tu dis, Amos. Hein, excuse-moi. Pourquoi? Quoi? Il a dit qu'il y a des femmes qui s'appellent Transia, non? Peut-être, je C'est ne sais vrai, pas. oui. Tu connais tous les noms des femmes, toi? Non, je rigole avec lui. Mais sincèrement, c'est vrai. Demande ta mère. J'étais en train de réfléchir quel rapport avec les drogues trans, les drogues, non? Non, les trogs, c'est... Comment on Sponsor. appelle les trogs? Non, Transa. Demande à Sponsor, ta femme. c'est... Demande à ta femme. Oui, alors Trans. là, vraiment, oui. Hein? Transé, oui. Bon, Bon, aïe. Sponsor, c'est ta recherche avec... Ça, c'est le coin. Bon. Très bien, Tashma. Là, on va faire une longue Tosefta, donc Kilaim. C'est lié à, au dinim de Kilaim. Tashma, comme Rashi dit, le début, Resha be Masechet Kilaim. Tashma, Nimset ata Omer. Comme dit Nimset ata Omer, ça veut dire comme si tu vas conclure. Nimset ata Omer, Shalosh midot bemchisot.
Il y a trois midot dans le mechissa. Rappelons que pour qu'il aille, dès l'instant où tu as une mechissa, tu peux planter d'un côté la vigne, de l'autre côté de la mechissa, tu peux planter ce que tu as envie. Dès l'instant où tu as une mechissa, c'est bon. On a vu ça aussi dans Perek Tchaï de Maseret Shabbat. Rabbi Arki va là-bas. Dans le chi. Tashma, nimset ataomer, shalosh midot ben mechissot. On y va, on commence. Kol shiou pachot mishlosha. Sarir sheloye benze laze shlosha. Dès l'instant où on parle de. Attendez, c'est peut-être mieux de montrer des photos. Voilà, vous voyez la photo de 123. Vous avez des canim. Attends, voir. Bon, moi, j'ai un mauvais. J'attends, je ne sais pas si tu as un téléphone là, voilà. Là, des kanim, vous avez des kanim, si vous les voyez bien. Entre les kanim, il y a moins de 3 tfahim. Le kané, il est fin, relativement fin. D'accord ? Alors, c'est bon. Ça s'appelle une barrière comme si tout est satoum. Donc, kol shiou pachot mishlosha, dès l'instant qu'entre les barres, il y a moins de 3 tfahim. Sarir sheloye benzel, kol shiou pachot mishlosha. Sarir toute barre qui est plus petite. Toute barre qui est moins de 3 tfahim, une barre, elle est moins de 3 tfahim. C'est-à-dire, chez l'œil et benzelazé, il faut qu'entre les barres, il y ait moins de 3 tfahim. Chez l'œil et benzelazé, shlosha. Kede, chez l'œil, d'akher, agedi, bebatrocho. Pour le chiour de 3 tfahim, c'est le chiour que, s'il y a 3 tfahim, le gedi, le chevreau, il peut passer facilement là-bas. D'accord, il s'introduit facilement quand, là-bas. Quand tu dis que je suis pas haute, mais je suis juste fahim par rapport au goût de la merkarka. Non, non. La largeur de la barre du bois, on va dire, on va prendre du bois. La largeur du bois qui est planté au sol, c'est moins de 3 de fahim. Oui. D'accord. Dans ce cas-là, il faut qu'entre deux morceaux de bois, il y ait moins de 3 de fahim. Ah. C'est-à-dire, chez l'œil et benzé lazé, chez le chat, le chiour de shlosha tfahim, c'est le chiour chez Yisdaqer à Gedi. Et moi, je ne veux pas ça. Bon. Oui. Et pourquoi il faut que Kul chiour shlosha tfahim? Pour faire la voûte. Oui, c'est-à-dire que la distance, il fait la voûte, la distance entre les deux. Amodim, oui. Alors, on va expliquer toute la braïta. Après, tu as une question. Ok. Maintenant, le morceau de bois est fait 3 tfahim et il va jusqu'à 4 exclus. Sarir sheloye benzelaze kimlu'o. Il ne faut pas. Là, on oublie toute la sougia. Kodora, papa, la bonne bechoua. On va y revenir par la suite. Là, on se concentre uniquement sur la vanette de la Tosefta. Il faut qu'entre les deux morceaux de bois qui font entre 3 tfahim inclus et 4 tfahim exclus, il faut qu'il n'y ait pas le chiour du morceau de bois. Il ne faut pas qu'il y ait du vide égal kimlu'o, du vide égal à la largeur du bois. D'accord ? Afin que le parous ne soit pas comme le romed. Oui, Maya parous merubé à la romed. Ah, si le parous était plus grand que le romed, af kenegeda romed asur. Dans ce cas-là, même kenegeda romed, tu ne peux pas planter. Alors, bien sûr, c'est un peu étrange, la tsefta est un petit peu étrange, a priori, parce qu'au départ, tu dis attention, il ne faut pas que le parous soit comme le romed, soi-disant, si le parous il est comme le romed, c'est problématique. Et après, tu dis, mais si le parous, il est plus grand que le romed, c'est problématique. Mais même si c'est égal, c'est problématique. D'accord ? Rachid dit cette question, on verra dans la suite de la Gemara. On continue. Troisième cas de figure. Kol sheu arba. Maintenant, on a une barre de bois, une planche de bois, de large de 4 tfahim. Et on va de 4 fahim jusqu'à une barre de bois large de 10 amot.
Sarir shelo yehe benzelaze kimlo'o. Là aussi, il ne faut pas qu'il y ait entre deux planches égales un vide qui est autant égal que la planche. Kimlo'o. Shelo yehe parus ki omed. Pour ne pas que le parus soit comme le omed. Oui. Veimaya parus ki omed. Et si il y avait autant d'écart vide, d'espace vide, que d'espace plein. Veimaya parus ki omed. Kenere da omed mutar. Kenere da parus asur. Face au omed, c'est-à-dire derrière la planche, tu peux planter ce que tu veux. Mais là où il y a l'espace vide, tu n'as pas le droit de planter. S'il y a la vigne d'un côté, de l'autre côté, tu ne peux pas mettre du blé, par exemple. Ve maya parus kermed, kenere da omed mutal, kenere da parus asur. Ve maya omed merube à la parus. Si par contre le omed est en plus grande quantité que le parus, av kenere da parus mutal. Même face au parus, là où c'est ouvert, tu as le droit de planter. Si d'un côté il y a la vigne, tu peux planter de l'autre côté, à quelques centimètres, hein, tu planteras du blé. C'est bon. Point. Nifresa beyoter. J'ai fini la breita, après on essaie de faire un résumé. Nifresa beyoter meheser. Si maintenant, même si tout est fermé, il y a une ouverture plus grande que 10 amot. Assur, c'est interdit. Ouais, comment il dit Rashi? Assur quoi alors? A filu kulo omed, c'est assur. D'accord? A filu kulo omed, c'est interdit. Nifresa biyoter ma'eser, a filu kulo omed, même si tout le reste il est omed, c'est interdit. Interdit de faire au lieu d'apparaître sur les deux. De planter de l'autre côté. De planter de l'autre côté. Si d'un côté, ouais. De l'autre côté, tu peux planter du blé, tu ne peux pas. Par contre, Ayusham Kanim Adukaranim, on a déjà vu ça, selon la chien en haut, c'était des, même ici, Rachid explique comme chose, des poteaux bien aiguisés, pointus, qu'on plante dans le sol. Et Vasalaim Pia, il a fait une tige comme ça, qui va de cané en cané, de telle sorte que ça fait comme une surat à pétah. Mais les malas en haut, à filo beyo termerez el moutar. Ok, comme le Tana de la Mishnah Pakomra, enfin, en tout cas au niveau de Souka, de Kilaim, ça marche pour tout le monde. Même si maintenant c'est yo termerez el, c'est plus une ouverture, une porte, une ouverture en pétah, plus que 10 amot, ça s'appelle quand même surat à pétah, ça s'appelle quand même un pétah. Et tu peux planter du raisin d'un côté, une vigne d'un côté, de l'autre côté, du blé. Point. On recommence. On recommence, on voit c'est quoi les trois mesures. Ouais, les trois midot bamchisot. Alors regardez, il y a Rashi. Dibura mathil keneg et daomed mutar. Vous voyez Rashi keneg et daomed mutar. Trois lignes, deux lignes en dessous. Rashi dit Are kan shalosh midot. Voici donc les trois midot. Il résume. Les midah lishona, des kanim chotim mishlosha. Premier cas de figure, c'était les planches étaient moins larges que trois tfahim. Lokap dinan amilu. On ne dit pas dans ce cas-là si il y a milouy, le vide. Il est égal à lui, on s'en fiche de ça. Ce qui nous intéresse, c'est tu n'as pas moins de vide dans le vide entre deux planches, l'écart entre deux planches est moins que 3 tfahim moins. D'accord ? Faire les voûtes. Kiwan de Milo, loave pirsa shlosha, vafilu ayote, vafilu ayote mimilo, lo kabjinan, adika pirsa shlosha. Donc, premier cas, si la planche elle fait moins de 3 tfahim, ouais, ce qui m'intéresse, c'est que le milo, l'écart
il ne dépasse pas 3 tfahim. Ouais, on n'arrive pas à 3 tfahim. Si on n'arrive pas à 3 tfahim, c'est bon. Ça s'appelle une bonne mehisa. Et donc, tu peux planter de l'autre côté ce que tu veux. Ça, c'est première mida. Au bemida, shnia, kapjina namilo. Oh, là, on fait attention à la largeur de la planche que tu as mis. Le milo, s'il est égal, on va discuter de ça par la suite, ça pose problème. Au bemida, shnia, kapjina namilo. Deaika, shiur, pirsa, lemiwe, karoui, avir. Il y a ici, cette fois-ci, le shiur de la pirsa. Qui va s'appeler Avir. Et va venir donc le Avir, qui est un peu plus grand, puisqu'on est après les trois Tfahim. Et il va être Mevatel le Omed. D'accord ? Parce que même égalité, ce n'est pas bon. Non, pas Afilo Kenegdo. Même planté là où il y a la planche, tu as une planche, un vide. Planche, vide. Même si tu as planté des raisins ici, et de l'autre côté, tu veux planter du blé, étant donné que l'espace vide il est plus grand, même derrière ça, tu peux passer. C'est Batel. La planche, elle est bêtée là. Ça, c'est le deuxième cas de figure, la deuxième Mida. Obé Mida, Shlishit. C'est quoi la troisième Mida? Deka Omed Hashuv. Il y a un Omed, la planche, elle est Hashuva parce qu'elle fait 4 Tfahim. Oh, 4 Tfahim, c'est Hashuv. D'accord ? Ça s'appelle un espace. Ça s'appelle un endroit hachouf. Et donc, l'homme est vatella le gamre. Et donc, même s'il y a de l'autre côté, à côté de la planche, disons que j'ai une planche de 4 tfahim et j'ai un espace vide de 5 tfahim, c'est vrai que ça ne va pas être bon. Ouais, parce qu'il y a plus de havir que de planche. D'accord ? Mais face à la planche, de l'autre côté de la planche. Si d'un côté de la planche, j'ai une vigne, de l'autre côté de la planche, je peux planter du blé. D'accord ? Voilà les trois midot. Il y a ici... Pour le deuxième mida, oui. Est-ce que je peux planter devant le omed ? Par exemple, il y a trois omedim. Omed 1, omed 2 et omed 3, d'accord ? Est-ce que je peux planter devant le Omed 1, par exemple des raisins, et devant le Omed 2, du blé. Je n'arrive pas à bien imaginer ce que tu es en train de dire. Regarde, peut-être je te montre une photo pour qu'on voit de quoi on parle. Bon, même les photos ici, elles ne sont pas très claires. Hein. Je n'ai pas compris, c'est quoi ton Omed 1, Omed 2, Omed 3 ? Omed, c'est des planches, non ? C'est une planche. Imagine que tu as des planches comme ça, tac, 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 partout, comme ça, tout autour. D'accord ? Oui. Tout autour des planches. Et tu as une planche là, un vide, une planche, un vide, une planche, un vide, une planche, un vide. Ouais. Voilà. Si la planche, dans le cas numéro 2, elle fait par exemple 3 tfahim, et le vide, il fait combien ? Il fait moins que 3. Ça, c'est le deuxième, ça. Ça, non, c'est si la première. Moins que 3, non. Non, il faut qu'il fasse plus que 3. Non, il fait plus que 3, ok. Alors, il faut, par exemple, 4. Hein. Alors, dans ce cas-là, si j'ai une planche, si j'ai planté la vigne ici, derrière la planche, de l'autre côté, oui. Je ne peux pas planter du blé. Ah, derrière la planche. Ça s'appelle derrière la planche, c'est ça le point ici. Ah, c'est pas dans la planche de l'autre côté. Non. Ah, d'accord. Planches, comme si c'est un endroit fermé. Ici, il y a quelque chose et de l'autre côté, il y aura autre chose. D'accord, ok. Voilà les trois, quatre figures. Alors ici, il y a un Rashi. Ici, il y a un Rashi. Regardez le Rashi d'avant, Ve'ad Aeser. Donc, on a vu le quatrième cas de figure, c'était quoi ? C'était la planche, elle fait de 4 fahim inclus jusqu'à 10 amot. D'accord ? Alors ici, Rachid dit, Va'eser Bichlan, Avariot el Me'eser, Kegon, Omed Yudbet, Otetwaou, Lomasi le Mitne, Shiol Pirsato Bimloo, Da Filo Basir Mimloo, Deka Pirsa Yot el Me'eser, Mitsar Kulo, Kedetane Sefa. Alors Rachid dit un Hidosh ici,
Pourquoi tu t'es arrêté à 10 amot? Si maintenant j'avais une planche de 12 amot, ouais, pourquoi je parle pas d'un cas comme celui-là? Je me suis dit, tu sais pourquoi? Parce que comment tu vas dire? Tu vas dire que si maintenant il y a un chirour, une ouverture de 12 amot, c'est pas bon. Mais même 10 amot, c'est pas bon. Dès l'instant, il y a une ouverture, de un peu plus que 10 amot, ça y est, tout est pas bon. Vous voyez le hidouche là? Tout est pas bon. Alors, sur ça, ce que Rashi dit, tout est pas bon, mitsar kulo, qui est étané sefa. Sur ça, Tosfot Yeshanim n'est pas d'accord. Il n'y a pas que lui, on dirait. Beaucoup d'Yeshanim ne sont pas d'accord avec Rashi. Regardez Tosfot Yeshanim au Talef. Velinira de la mitsar et la kenegeda pirsa. Non, face à la pirsa, là où c'est ouvert, tu n'as pas le droit de planter autre chose qu'une vigne. S'il y a une vigne d'un côté, tu ne peux pas planter du blé de l'autre côté. Qui va d'avoir en mettre à chou. Kemo. Alors, Velinira, je reprends. De la mitsar et la kenegeda pirsa. Kivan de avoir un maître hachouf, kimo beparus merube. De l'homme itzar kenegeda omed. Ou beadiat nan, donc comme Rashi dit, comme on a vu par la suite, que quand tu as une planche de 4 fahim, même si après, entre les deux planches, il y a un écart d'un vide de 5 fahim, je peux quand même planter derrière la planche, puisque 4 fahim, c'est hachouf. Il dit, même dans le cas de 10 amot, tu diras la même chose, même si l'ouverture, elle est de la pulsa, elle est plus de 10 amot. Tu diras la même chose. Pas comme la chique qui dit, ça ne vaut plus rien. Ce n'est pas ça, ça ne vaut pas plus rien. Derrière la planche de 10 amot, 10 amot, c'est hachou, tu peux planter. D'accord? Comme dans le cas de Parous Merubé à la Omed. Dans le cas où le Omed, il fait au moins 4 fahim. Au Be'adiatnan, maintenant il amène une claire, il amène claire une Mishnah, et donc c'est une grande couchée a priori contre la Chine. Donc il a une Perek Dalet, Mishnah Dalet, Geder Shenifras Ada Eser, Amma, Areu Kepetah. C'est comme une ouverture, tant qu'on ne dépasse pas les 10 Samot. Yetermikan, si tu as dépassé les 10 Samot, Keneged Apirsa Asur. Tu vois, le Tana, il a bien dit Keneged Apirsa, c'est interdit. Shmamina qui n'est rien à omettre, c'est autorisé. Wow. Alors que selon Rashi, quand j'ai une pièce de 10 amot, plus de 10 amot, pardon, à fil ou qui n'est rien à omettre, c'est interdit. D'accord? Voilà la mahlokt. Ok, on a fini la braïta, on a fini la tosefta, et maintenant la Gemara, elle va revenir sur cette mahlokt, Traf Papa. Et Ravuna Bred de Ravi Yoshua. Donc, juste avant de continuer, il y a un Tosfot ici, Marbaa Adaeser, Garsinan, comme nous, on rigolesse, le lo Garsinan Adarba Amot. On dirait qu'il y a une Girsa qui dit jusqu'à 4 Amot et pas jusqu'à 10 Amot. Bien, un autre Baba, peut-être qu'il parle de 10 Amot, je ne sais pas. D'accord? Je crois qu'il y a un Ritba qui veut expliquer cette Girsa-là. D'accord? Très bien. Maintenant, je reprends la Gemara. Katane Mihat. Vous voyez où je suis là? Katane Mihat, Recha. Dans la Recha, on a enseigné Mishlosha Veadarba, Obilvat, Shiloye, Benze, Laze, Kimilo, Kimlo, Tiyufta, Dela Papa. Donc, on a dit dans la Recha que si la planche, elle fait 3, de 3 à 4, c'est bon à une condition. Shiloye, Benze, Laze, Kimlo. Entre deux planches, ça ne doit pas être égal à la planche. Si c'est égal, c'est un problème. Oh, ça veut dire que Parous Keromed, c'est un problème. La papa, il dit que c'est bon. Couché contre la papa. Tu ouvres, t'as de la papa. Amar lecha, la papa. Maï milo, melo, nichnas veyose. Quand je dis milo, c'est quoi? C'est pas pile-pile. Il faut que on puisse rentrer, faire sortir facilement. Vous voyez, entre deux planches égales, j'arrive à faire ça. J'arrive, il y a un écart d'une planche. Ouais. Par exemple, la planche, elle fait 4 fahim, 3 fahim. 3 fahim,
L'autre planche, ça fait 3 tfahim. Il y a un écart de 3 tfahim, de telle sorte que je peux rentrer et faire sortir une planche de 3 tfahim facilement. Autrement dit, je n'ai pas vraiment 3 tfahim entre deux planches, mais j'ai un peu plus que 3 tfahim. Voilà, donc, l'espace, c'est plus que 3 tfahim. Voilà, donc l'espace, c'est un peu plus que 3 tfahim. Voilà, pourquoi c'est pas bon. Et les relâches, voilà. C'est égal, c'est bon. Et d'ailleurs, dit l'Agmara, mieux que ça, ne crois pas que c'est dohak ce que je te dis. Pourquoi? Parce que c'est écrit après, Midi Katane dans le même Baba, Imaya Parus Merube, si la pirsa elle est plus grande à la Romède, Akinegeta Romède Asur. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis ça? Mais même égalité, ce n'est pas bon selon toi. Et la Maït la remarque, comme moi, je te dis. Et c'est pourquoi. Je te dis par la suite, si le parous, il est méroubé à la remède, ce n'est pas bon. Shma minas, il est égal le parous au remède, c'est égal, c'est bon. Donc, aki remède, moutar, shma mina. Agmara a dit, bon, en réalité, Rav Papa, tu as raison. D'accord, alors dis l'agmara, si c'est comme ça, cette fois-ci, on vient une kushia. On a été médaillé comme Rav Papa, donc ça devient une kushia contre Ravuna Bret de Ravioshua. Amalecha, Ravuna, il se défend et il te dit, Fali ta mère, selon toi. Et ma sefa, viens, on lit la sefa. Imaya omed merube ala parous. Av keneg et da parous. Mouta. Metana a dit, dans le cas où on a 4 fahim, ouais, la planche a fait au moins 4 fahim. Si le remède il est en plus grande quantité que le parous, alors tu peux planter même face au parous. J'en déduis. Ah, que parous, assur. J'en déduis, c'est parce qu'il est plus grand que c'est bon, mais si c'était égalité, le remède et le parous c'était égalité, c'est interdit. Donc, Kushia contre toi, Rav Papa. Sefa, Kushia, le Rav Papa. Risha, Kushia, le Ravuna, Breda, la Veshua, dit la Gemara. Donc, la Sefa, c'est une Kushia contre Rav Papa, mais la Risha, c'est une Kushia contre Ravuna. Répond la Gemara, Sefa, le Rav Papa, la Kushia. Pourquoi? Il peut répondre comment? Aïdi, Détana, Risha, Paros, Merobe, Ala, Ome, puisque dans la Risha, j'ai eu besoin de te dire, Parous Merube à la Omed, c'est dans ce cas-là que ce n'est pas bon, mais si c'est égal, c'est bon. Alors, Tana Sefa Omed Merube à la Parous. Par symétrie, je t'ai enseigné dans la Sefa, Omed Merube à la Parous, bien que je n'ai pas besoin de ça. Même égal, c'est bon. Ouais, par la même forme de réponse. Arecha le Ravona, Bred el Ravioshua, Lokeshia. Pardon, Aïdi débarré les mitnes, Sefa, Omed, Merube à la Parous. Puisque j'ai besoin de t'enseigner dans la Sefa, Omed, Merube à la Parous, que dans ce cas-là, c'est bon, mais si c'est égal, c'est pas bon. Tana Recha, par symétrie, Parous, Merube à la Omed, bien que je n'ai pas besoin que le Parous soit plus grand que le Omed, même égalité, c'est pas bon déjà. Voilà comment la Gemara a été meyachevet, la Breita. Selon Rav Papa et Ravuna, Bré de Rav Yehoshua. Pour le moment, on est à égalité. Tout le monde. D'accord, en tout cas, par rapport à cette braïta-là. Continue la Gemara. Bishlama le Rav Papa, Mishum Achi lo arrive lehu, Vetane lehu. Et là, le Ravuna, Bré de Rav Yehoshua. Les arvinu, velitenenu, kol shiu pachot mishlosha, ou shlosha. Sarir sheloye benze laze, shlosha. Point. Interrogation. Donc la Gemara dit, vous avez remarqué que le premier cas de la Braïta, ouais. On a dit de
Kol Sheou Shlosha. Non. On a dit Kol Sheou Pachot Mishlosha, etc. Sarir Sheloye Benzelaze Shlosha. D'accord? Hein. On a exclu trois. La planche, elle fait moins de trois tefachim chez nous. On est d'accord? Dans le premier cas, la planche, elle fait moins de trois tefachim. Dans le deuxième cas, la planche, elle fait entre trois tefachim et quatre tefachim exclus. Et dans le troisième cas, la planche, elle fait de quatre tefachim inclus jusqu'à 10 amot inclus. D'accord? Voilà les trois cas-là. Le premier cas, la planche, elle fait jusqu'à 3 tefachim exclus. Ouais. Et là, on a dit, tant qu'il y a un espace de 3 tefachim, moins, ouais, tant qu'on n'arrive pas à 3 tefachim, c'est bon. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi que selon Rav Papa, je ne peux pas introduire, je peux pas rentrer ici 3 tefachim. Parce que 3 tefachim, s'il y a un espace de 3 tefachim, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Parce que Paulus qui en met, selon lui, c'est bon. Donc, il faut, pour parler de trois tefachim, il faut une deuxième baba. Dans la deuxième baba, il faudra que je dise trois tefachim. Il ne faut pas que l'espace soit plus que trois tefachim. Plus, un peu plus que la planche. Pour qu'il y ait plus de Paulus que de remet. Je comprends pourquoi trois tefachim, on ne l'a pas inclus dans la première baba. Mais selon Ravuna Bredere de Rav Yehoshua, j'aurais dû inclure le cas de trois tefachim dans la première baba. Tant qu'on n'arrive pas à trois tefachim, ça veut dire une planche qui va jusqu'à trois tefachim inclus, j'aurais dû dire, ouais, alors il ne me faut pas un espace de trois tefachim. Parce que si j'ai une planche même de trois tefachim et j'ai aussi un espace de trois tefachim, c'est pas bon selon Ravuna. C'est pas bon. D'accord. Donc j'aurais dû inclure le cas de trois tefachim dans la première baba. Ravuna, il dit Ahmed Kiparut, c'est pas bon. C'est pas bon, exact. Et Rav Papa, il dit c'est bon. Voilà la couchette de la Gemara. Je reprends dans les mots. Bish la malé Rav Papa, Mishumachi, lo arrive Léou. Ravuna, lo arrive Léou, c'est quoi? Il ne les a pas mélangés. Il n'a pas inclus le cas de trois tefachim dans la première baba. Il l'a mis dans la deuxième baba. Vétanelou. Il a les Ravuna, bré de Rav Yehoshua. L'arvino velitanino, kolshu pachot mishlosha ou shlosha. C'est-à-dire, shiloye benzelaze shlosha. Voilà la question de la Gemara. Réponse de la Gemara. Mishum de lo dami psula de resha li psula de sefa. Tu sais pourquoi je n'ai pas mis le quoi de trois tefachim avec le cas de moins de trois tefachim? Parce que les psulim ne sont pas les mêmes. D'accord? Mishum de lo dami psula de resha li psula de sefa. Psula de resha, le psul de la resha, c'est quoi? Kede shelo izdaker agedi bebatahat. Et tant que j'ai. Si j'arrive à trois tefachim, le gdi, il passe. Ouais? Non, non, non. C'est pas bon. Moins que trois tefachim, le gdi, il passe pas. Même si j'ai une petite planche. Et un grand espace, ça marche quand même. Tant que le guédi ne passe pas, qu'il y a la voûte, ça marche quand même. Arrivé à 3, ah, le guédi passe, c'est pas bon. Par contre, dans le cas de 3 de Fahim, c'est pas un problème de guédi qui passe. C'est un autre problème. C'est Parous qui remède. Dès l'instant où il y a un Parous qui remède, ça rentre dans le problème. Donc c'est vrai que le cas de 3, il a le. Le cas de 3, on aurait pu quelque part l'introduire dans la première baba. Mais comme les raisons des psoulim sont différentes, d'accord? C'est pourquoi je l'ai mis dans la deuxième baba. À partir de 3, le problème va être parous qui en met, c'est un problème. Dans le premier cas, même il y a plus de parous qui en met tant que je suis à moins que 3 de Fahim, c'est bon. À 3 de Fahim, c'est pas bon. Parce que là que j'y passe. Dans le deuxième baba, parous qui en met, c'est un problème. Or, chez nous, dans cette braïta-là, on est en train de faire l'inventaire des dinei mechisot. C'est ça que le Tana nous dit. Shalosh midot ba mechisot.
Et c'est quoi leur psoulim? D'accord? Là où ça posera problème. Voilà pourquoi le Tana les a distingués dans deux babot. Voilà la réponse de la Gemara. Oui, je me suis déconnecté sans m'en rendre compte là. C'est bon? Jonathan, tu m'entends? Manuel, tu m'entends? Oui, je t'entends, Manu. D'accord, je me suis arrêté où? Mais la vérité, je reviens d'arriver du travail, donc je suis un peu... Ah, tu n'as pas fait attention, tiens. Ok, d'accord. J'ai une déconnexion sans m'en rendre compte. Oui, oui, j'ai vu ça, que tu avais une déconnexion. Donc, on s'est arrêté à deux lignes avant la fin du Hamoud, c'est ça? Mm-hmm. Alors, dit la Gemara pose une question maintenant. Ahot Mishlosha Mané, Rabbanani. Cette histoire dans la Lécha qu'on a vu que moins que trois tsarim, c'est bon, on dit la Voud. C'est la banane. Rappelons qu'il y a une marloque faite entre Rabbanan et Arashbag. Est-ce que la Voud, on fait jusqu'à trois? Où on fait jusqu'à 4. Oui. Jusqu'à exclu. Selon la banane 3, selon la shabbat 4. Alors, dit la Gemara, dans la Récha, on a parlé de 3 tfahim parce qu'on pense que la voûte, c'est jusqu'à 3 tfahim, comme la banane. Donc, pachot mishlosha mané la banane, d'amre pachot mishlosha amlinan la voûte. Shlosha lo amlinan la voûte. À partir de 3, on ne dit plus la voûte. Très bien. Emma Sefa. Là, je vais vous lire une phrase un peu difficile à comprendre. Emma Sefa. Kol she'u shlosha o mishlosha v'ad arba'a atan le rabban Shimon ben Gamliel. Elle m'a dit, attends, la brita est sur terre et asma. Au début, on a l'impression que c'est comme la banane et après, on a l'impression que c'est comme la shbak. Comme la banane, on a compris. Et comme l'ashbag, comment tu vois de la sefa que c'est comme l'ashbag? Dit la Gemara, kol she'u shlosha, o mishlosha v'ad arba'a. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit là-bas. A priori, si c'était l'ashbag, ouais, jusqu'à 4 tfahim, on dit la voud. Le Tana, il n'a pas dit ça. Il a dit de 3 jusqu'à 4. Parous qui est Omed ou Parous Merubé à la Omed, ça pose problème. D'accord? Bon,
on ne comprend pas l'agmara. L'agmara, elle dit Emma Sefa, Kol Sheu Shlosha, Omishlosha, Vead Arbaa, Atan, Rabban Shimon Ben Gamliel. Atan de Rabban Shimon Ben Gamliel, de Amar Pachot Mi Arbaa. Il a dit que Pachot Mi Arbaa, la voûte. De Rabbanan, Mishlosha Vead Arbaa, Mishlosha Vead Arbaa, Shlosha Vead Arbaa, Hadhu. Si ça avait été Rabbanan, oui, Mishlosha Vead Arbaa, Shlosha ve'arba'a, hadou, trois ou quatre, oui, c'est la même chose. Bon, c'est pas très clair, je recommence. La Gemara a envie de faire une stira dans la braïta elle-même. Qui est l'auteur? C'est Rashbag ou c'est Hachamim? De la Récha, on voit que c'est Hachamim, ça on a compris. Maintenant, la Gemara a envie de montrer que la Sefa, c'est Rashbag. Alors, on essaie de voir Rashi, ce qu'il dit. Rashi, Emma Sefa, deux lignes avant la fin du Hamoud Rishon. Emma Sefa, Kol Sheu Shlosha, Mishlosha, Vadarbaa, Midirka Maflig. Parce que nous, la question qu'on a, a priori, ce n'est pas Rashbag, la Sefa. Pourquoi ce n'est pas Rashbag? Parce que Rashbag, il pense qu'on dit la voûte jusqu'à 4 Fahim. D'accord? Donc, Si on dit la voûte jusqu'à 4 fahim, alors j'aurais pu te dire jusqu'à 4, tant que la planche elle va jusqu'à 4 fahim, ouais, exclu, c'est bon. D'accord? Alors le Tana il n'a pas dit ça. Le Tana il a dit Mishlosha Vadarbaa, Parous qui remet, c'est un problème. Parous Yoter me remet, c'est un problème. Alors c'est pas vrai selon Rashbag. Donc on ne comprend pas la Gemara. Kouchia, on ne comprend pas la Gemara. On verra après Bémet Osot qui va dans, ils vont dans ce sens-là. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il dit Rashi. Rashi dit Emma Sefa, Kol Shehu Pachot, Kol Shehu Shlosha Umane, Umishlosha, pardon, Vaad Arbaa, Midikam Maflik Ben Pachot, Midalet et Dalet. Puisqu'on fait une différence entre moins de 4 et 4, Midikam Pachot, Midalet. Par le fait que tu dis que moins que 4, imparus yeter alaou, si la pirsa est plus grande, afkenegeda omed, assur, même face au omed, tu n'as pas le droit de planter. Mais à 4, tu ne dis pas ça. Dès l'instant où elle fait 4, le dalet goufé, katane sefa, de matir kenerdo, même si la pirsa est plus grande que le omed, tu as le droit de planter derrière le remède de 4. Et à Falgav, des parous, yéter alav. Shmamina, Rabban Shimon ben Gamliel hi. J'entends de là que c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Puisque tu fais une différence entre moins de 4 et 4, cette différence, elle existe chez Rashbag. Lui, il fait une différence entre moins de 4 et 4. Voilà ce qu'on est en train de comprendre. Voilà comment Rashi, il est meyacher pour qu'on comprenne ce que la Gemara dit, que la Sefa, elle suit Rashbag, étant donné que Rashbag, c'est lui qui rentre dans ce chiffre 4, moins de 4 et 4. C'est différent. Et c'est ce qu'on voit à Bémet. Voilà comment Rashi, il est meyacher, a priori, la Kushia que nous, on a. Pourquoi la Gemara dit « Atan de Rashbag » D'accord? Voilà comment Rashi le Miyashev, il essaye d'arranger la Kushia de la Gemara. Point. Donc, finalement, la Mishnah, c'est qui? La Tosefta, c'est qui? C'est la banane ou c'est Rashbag? Point. Avant de voir la réponse de la Gemara, maintenant on fait Tosfot. Tosfot, Emma Sefa, dernier Tosfot du Hamoud Rishon. Emma Sefa, Kolche, ou Shlosha, ou Mishlosha, ou Adarbaa, Verhoulé. Vous voyez que, quand même, ce que Rashi dit, ce n'est pas écrit dans la Gemara.
Gemara a juste rapporté Kol Shiu Shlosha Mishlosha Vadarba. Oui. Selon Rashi, on doit rapporter le cas de Arba'a plus pour voir qu'il y a une différence. Donc Rashi a essayé d'arranger la Gemara de cette manière-là, comme on vient de le dire. Tosfot, Sefa Gufa Ayayachol Akshot. Tosfot, il demande, mais je n'ai pas besoin de Resha plus Sefa pour faire ma couchière. Je peux me contenter de la Sefa. Et dans la Sefa, je verrai que la Mishnah, elle a un problème selon la banane. Elle a un problème selon la banane Shimon ben Gamliel. Sefa Gufa Ayayachol Akshot, Delo Hachak et la banane. Kitka Ama la chasse. Midelo Matir Omet Shlosha Kenegdo. Or, de par le fait que tu n'autorises pas, que tu as dit Kol Sheu Shlosha, Omi Shlosha, Vead Arba'a. Oui. Idelo Matir Omed Shlosha Kenirdo. Donc, ça prouve que ce n'est pas comme la banane. Pourquoi ça prouve que ce n'est pas comme la banane? Encore une fois, c'est Fagoufa Yeyachol Arshot. Délo atchak et rabanan. Kitkaam à la chasse. Midélo matir omed shlosha kenerdo. Par le fait que s'il y a trois, c'est normal, lo omed shlosha kenerdo. C'est normal parce que shlosha, il n'y a plus la voûte. Pourquoi ce n'est pas la banane? Je continue après, j'essaie de voir. Ok, rajbag nami lo atchak. De par le fait qu'on a dit qu'il ne faut pas, entre 3 et 4, il ne faut pas qu'il y ait entre deux planches l'écart de la planche. Et selon Rashbag, on doit dire la voûte. Au Rashbag, il y a un bekar klum qui vend des leka arba, puisqu'il n'y a pas 4 tfahim, qui est la voûte d'ami. Donc on a compris pourquoi. Ce n'est pas l'ashbag non plus. De la sefa, on voit que ce n'est pas l'ashbag. Et comment on voit de la sefa que ce n'est pas la banane? Idelo matir omet shlosha kenado. Si ça avait été la banane, voilà ce qu'ils comprennent. Si ça avait été la banane, shlosha, ça doit être hashuv. Ouais. Si 3, ça doit être Hashuv. Donc, si c'est Hashuv, tu dois pouvoir planter en face. Parce que toi, Hachamim, tu fais une différence entre moins de 3 et 3. Donc, on aurait pu, a priori, planter de l'autre côté, quand c'est à partir de 3. Or, ici, tu dis que de 3 à 4, tu ne peux pas planter. De 3 à 4, s'il n'y a pas Rousse, Yotel, à l'Armède, même en face, tu ne peux pas planter. Donc, voilà pourquoi ce n'est pas la banane. Ce n'est pas l'ashbag non plus, parce que ça avait été l'ashbag de 3 à 4. S'il y a même une pirsa qui est égale ou un peu plus, vu qu'elle soit moins que 4, que le remède, on doit dire la voûte. Or, ici, là-bas, tu dis que ça ne marche pas. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Alors, demande Tosfot, pourquoi donc la Gemara est obligée de prendre Recha plus Sefa? Prends la sefa uniquement et tu fais ta roucha. Ça ne va ni comme la banane, ni comme la rashbag. Réponds au sot et la ken, car dès le chasse, je mettrai le kushia à mirecha que je yahol. C'est l'habitude du chasse. Tant qu'il peut poser une question à partir de la recha, il commence comme ça. Ok, gaunaïka, peretkira, kebe hamin, shiohamu, beshabat. La même forme de roucha, on commence par la recha, bien que j'aurais pu me contenter de la sefa. Je la vois aussi dans ma sechet Shabbat Perer Kira Daflametet. Voilà Tosfot. Maintenant, après cette question-là, la Gemara essaye de répondre. Deux réponses possibles. Daftet Zayin Amoucheni. Donc on a dit Atan et Rabban Shimon ben Gamliel, d'avoir pochot merba la voud, d'ir Rabbanan Shusha avad arba'a, Shusha avad arba'a hadou. C'est quoi la kavana Shusha avad arba'a hadou? 3 ou 4 pour eux, c'est la même chose. 3 ou 4 pour eux, c'est la même chose. Amar Abaye, répond Abaye,
midi recha rabanan sefa nami rabanan. Si la recha c'est hachami, même la sefa c'est hachami. Au modu rabanan, d'école les mishra kenerdo, et kama komar ba hashi, et la la hashi. Les hachami, ils sont d'accord. Pourquoi je peux dire que la sefa c'est rabanan? Il y a une différence entre moins de 4 et 4. Moins de 4, tu ne peux pas planter en face, et 4, tu peux planter de l'autre côté. Pas moins de 4, tu ne peux pas planter, et 4, tu peux planter, puisque 4, ça va comme hachou. Comme c'est makom hashuv, même s'il y a plus de pelouse qu'en mètre, tu peux planter de l'autre côté. Pourvu que ça ne dépasse pas les 10 sabbats. Oui, tu peux planter de l'autre côté. Voilà, réponse de Abaye. Moins de 4. Pas hashuv, tu ne peux pas planter de l'autre côté. S'il y a plus de pelouse ou égal, ça dépend de la chita. De l'en mètre. Rava Amar. Encore une fois. Rava, il dit autrement. Rava Amar. Midi sefa rabban shimon ben gamliel, sechan ami rabban shimon ben gamliel. Vechi amar rabban shimon ben gamliel. Amrin lavu, dane mile le mala, va le mata, awele ki b'chisa shagdim bukhim ba, lo amrin lavu. T'avais un problème avec la sefa, t'avais dit que c'était Rajbag. Le problème c'était avec la Recha. Pourquoi tu parles de trois? Rashbag, l'avoud, c'est 4, c'est pas 3. Oui, quand est-ce que c'est 4? Quand c'est en haut. Quand il n'y a pas d'egdim qui marche. En haut, par exemple, Kora, etc. De Mechisot qui sont en haut. Ça veut dire, quand c'est en haut, d'accord? Il n'y a pas d'egdim qui vont passer entre. Ouais. Alors là, dans ce cas-là, jusqu'à 4, on dit l'avoud. Par contre, ici, c'est en bas. Ici, le gage, il va passer entre les deux planches. Le gage, il passe dès l'instant où il y a un espace de 3 tsvahim. C'est pourquoi même Rashbag, il va être d'accord quand c'est en bas que 3 tsvahim déjà pose problème. On ne dirait plus la voûte. Quand chacun 4, 3, déjà, c'est un problème. Pourquoi? Dans les mots de la Gemara, Rava Amar midi Sefa Rabban Shimon ben Gamliel, de par le fait que la Sefa, c'est Rabban Shimon ben Gamliel, lui fait une différence entre moins de 4 et 4. D'accord? Donc 4, on est sorti de moins de 4, c'est pourquoi on peut planter de l'autre côté, moins de 4. Si la Sefa, c'est lui, alors pourquoi la Recha, elle a dit, elle part de moins de 3 Tfahim? D'accord? Le chat, quand même, c'est lui. Gamliel 4, on dit la voûte. Ça, elle est les mâles. Aval le mata. Avele kim chissa shagdim bochimba. Et donc, l'eau amrina la voûte. C'est clair? Voilà la matana selon là-bas. Tashma. De fanot, ça aussi une baïta qu'on a vu en haut. Defanot alalu sheroban ptachin, ces murs-là, ces parois-là, où la majorité sont des ouvertures, des ptachim et des halonot. Mutar bilvat shelo yihi yehe omed merube. À une condition, il ne faut pas que le omed, bilvat sheyehe, pardon, yehe omed merube, il faut que le omed soit en plus grande quantité que à la parous. Merube à la parous. D'accord? Alors, on ne comprend pas la parité, puisqu'au départ, tu dis. Fanot ala lo shiruban ptachim. On demande à Gmara shiruban salkadatar. Non, on corrige. Et la shiriba ba'el ptachim wa halonot. Il y a beaucoup de ptachim wa halonot. C'est bon, mais à une condition. Que la fermeture est en plus grande quantité que l'ouverture. Moutar bilvan shiri aromed merouba la parous. On est médaillère de la akeparous. De cette braïta-là, j'en déduis que si c'est égal. Si c'est à quantité égale à Keparus, à Sour. Donc, Tchiouvta, Deraf Papa, Tchiouvta. La Gemara a dit, tu as une bonne coucha contre Raf Papa. Le monde dit, la Gemara, il chita kawate Deraf Papa. Cependant, la lacha, elle est comme Raf Papa. Le monde, la Gemara, Tchiouvta, il chita. Quoi? On a une braïta contre lui, quand même, tu tranches la lacha comme lui. Et pour la Gemara, et lui, comment c'est possible? Parce que la Mishnah, elle est médouillée comme Rav Papa.
d'Etnan. Loïe prasot yeterot à la binyan. Ah, que binyan, motar. On a dit que les pirsot, il ne faut pas qu'elles soient plus que le binyan. J'en déduis de là que si les pirsot sont comme le binyan, c'est autorisé. Et bien, mettre ce 10 jours de la Mishnah, en haut, la Gemara, elle est restée bepushia contre Ravuna Bre de Rav Yehoshua. D'accord? Donc, la Mishnah, étant donné qu'elle est médouillée comme Rav Papa, c'est vrai qu'il y a une Tosefta Breita comme Ravuna Bre Yehoshua, la Mishnah est plus forte. C'est la raison pour laquelle Alakha, elle est comme Rav Papa. Moshe, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, il ne faut pas l'autre qui frosse Rubba. Il ne faut pas que la personne soit en grande majorité. Wow. Hein? De la Zouga. Tout ça demande. Oui, il reta qui a la papa. Tout ça demande. En litmoa. Regardez, en litmoa. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas de quoi? De acha kaimalan parous qui omed muta. Ici, on a conclu que parous comme le omed, c'est autorisé comme le papa. Et pourtant, on peut perdre chez nous des holim. Là-bas, Massik, les coulées, Alma, Mersal, Mersa, et Nokero. Celui qui fait la Shrita, un Rof ou un Bema, Rof, un Siman, Bema, deux Siman. Mais il a fait la moitié du Siman, il a coupé la moitié du Siman ou de chaque Siman. Ouais, pas le Rof. Normalement, on fait le Rof, d'accord? Non, lui, il a fait la moitié. La Gemara, elle tranche là-bas. Massik, elle conclut là-bas, les coulées alma, mersal, mersa, enokerov. Tout le monde est d'accord que mersal, mersa, ce n'est pas comme le rov, je ne comprends pas. Chez nous, c'est la lachalek comme raf papa. Ça veut dire que tu considères que mersal, mersa, c'est comme le rov. Là-bas, on dit que mersal, mersa, ce n'est pas comme le rov. C'est étonnant. On m'a dit à la haïd et tanour. Et la Gemara, là-bas, dans Roline, toujours, elle amène le cas de tanour. Tanour, quand tu le casses, la minorité est un tanour, la minorité devient Torah, la majorité elle reste méa. Et si c'est pile, tu coupes pile le tanour en deux, alors là-bas on rapporte le cas de tanour, maïti Allah aïd et tanour, d'accord, ou là-bas, normalement, on devrait dire quoi si c'est pile? Pile c'est comme le rov, donc les deux morceaux devraient être encore tamés, les deux morceaux du tanour. Et là-bas, la Gemara est dana. En tout cas, elle ne dit pas ce que je viens de dire. Et pourquoi la Gemara ne dit pas ce que je viens de dire? C'est bizarre. C'est ça la question de Tosfot. Et Tosfot disait même ici, on ne rapporte pas le cas de Tanur. Elle dit moi. Pourquoi? Parce que peut-être il y a un hédouk entre Mechisot, chez nous, et Isur et Touma là-bas. Isur au niveau de la Shida et Touma au niveau du Tanur. Peut-être il y a un hédouk à faire. Et de toute façon, ne nous disent pas c'est quoi le hilo. D'accord? Peut-être qu'il y a différencié entre Mechisot et Isur et Touma. Ouais. Donc, de toute façon, il nous laisse un petit peu suspendu, quoi. Hein. C'est pas très clair c'est quoi le hilo. Pourquoi il y aurait un hilo? Ouais. Bon. Ça, c'est il faut être marié. Il faut voir là-bas tout ce qu'ils ont parlé. Il me semble que lui, ils ont parlé. Il y a aussi un Maharal qui parle sur ce soit-là. Il propose une réponse. Wow. On commence la nouvelle Sugia. Matnitin. Makefin, Shlosha Havalim, Zelema Alamize, Vezelema Alamize, Obilvat Shiloye, Ben Hevel, Havelo, Shlosha Tfahim. Shi'ur Havalim Ovian, bien comme Rachid Legoret, Shi'ur Ov et Havalim, Yeter Altefah, Kedeshte Akol Asarat Fahim. Quoi? On peut faire des Mechisot, et on va rentrer dans le détail, Bezat Hashem. C'est comme de le Mechisot de la Souka alors? Non, non, pas du tout. Regardez la photo de 128. Vous voyez là? Quelle page, Manu? Jonathan, t'es, on t'a mis au chômage ou quoi?
Non, mais j'étais au travail, non, non. La prochaine fois, il faut. Par La rapport aux prochaine fois, il photos, faut par qu'on rapport aux appelle. photos. Ah. La prochaine fois, il faut qu'on appelle son patron. Il n'a pas le droit de nous prendre notre client. Parce Non, que. alors montre les photos, Jonathan, si c'est possible. Quelle page? Photo 228, page 35, je crois. 228. Voilà. On montre 228, 229 et 230. Regarde Amos. Voilà, Non, oui. ça c'est 229. Ah, ça c'est 229. Ça c'est le cas d'après. Ah. Voilà. Mince. L'autre, c'est de l'autre côté. Ils sont verticales. Excuse-moi, excuse-moi. Ça, c'est 228. Ah, voilà, c'est Voilà. ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. OK. Tu mets C'est des bien. fils. Voilà, tu mets des fils. Trois fils. Et ça va faire la mérissa. Voilà, Maintenant, voilà. de 0 à moins de 3, tu mets un fil pour faire la voûte. De moins de 3 à moins de 6, ouais, tu mets un autre fil. Et de moins de 6 à moins de 9, tu mets un autre fil. Maintenant, les fils, ils vont être combien? Les trois fils, ils vont être combien? Ils vont être neuf. Il faut arriver à 3. Parce qu'à chaque fois, c'est un mâché où, tu vois, quand on dit la voûte Voilà. jusqu'à 3 moins. Le Voilà. premier fil, deuxième fil plus troisième fil, ça fait 9. Donc, il faut que Voilà. l'épaisseur des trois cordes, ouais, ensemble, Il faut que fasse ce soit un un tefard. tefard plus trois mâchéoù. Vous avez compris? Voilà. Un tefard plus trois mâchéoù. C'est clair? Oui, ok. Vous avez compris, c'est quoi le trois mâchéoù? Allez, Oui, on y va. Je reprends dans les mots de la Mishnah. Mekefin, shlosha havalim, auquel cas il n'y a pas la voûte. Et après, Shiur Havalim revient, Yeter al-Tefah. C'est quoi le mot Yeter al-Tefah? C'est Tefah plus 3 machios, comme je viens de vous dire. Et déchirer à afin que je puisse avoir en somme dit Fahim. Point. Deuxième cas de figure, Mirkifin Bekadi. Ça, c'est la deuxième photo que Jonathan vous a montrée. On peut faire aussi des bâtons de bois comme ça au sol, haut de Jitfahim, d'accord? Et un à côté de l'autre, non éloigné de trois Tfahim. Ouais. Rabbi Houda a dit que ce qu'on a autorisé, ces deux méthodes qu'on vient d'autoriser là, ne sont autorisées que pour Shayara, un convoi qui est en voyage. Shayara. Non, le cas en général, il s'applique pour les Shayarot. C'est vrai. Et ça, c'est le cas habituel, c'est BOV. C'est le cas normal. Mais ceci est vrai, même si ce n'est pas Beshayara. Même si tu es tout seul, tu as le droit de faire ce genre de Mechissa-là. Wow. D'accord? Même le yachid, selon la banane, peut faire une mérissa ou de chéti ou de rêve. Chéti, c'est les bouts de bois, rêve, c'est les fils. C'est clair? Continue la Mishnah. Kol mérissa she'ena shel chéti ve shel rêve, ena mérissa divrei Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda. Lui, il est mahmir. Toute mérissa qui n'est pas longueur et largeur, ce n'est pas une mérissa, selon Rabbi Yossi ve Rabbi Yehuda. C'est-à-dire la photo 230. Regardez la photo 230, vous allez voir. Une mérissa. Donc ce n'est pas une mérissa. C'est un mix des deux. Voilà. Selon Donc, la Bible aussi, la Bible. ces méhetsot là, c'est par rapport au quel m'a toujours, hein? Ah non, pas du tout. On revient dans Shabbat, là. Parce Ah. que la vérité de Hamoud Rishon, c'était Kilaïm, c'est tout. Voilà, alors, donc c'est-à-dire le méhetsot là, on parle de Shabbat? Oui, bien sûr. C'est normal, non? On est dans ma série de Hérovines. Ah oui, vraiment, mais arrive les tamours. Oui, c'est-à-dire. Mais ce qui n'est pas clair, c'est la Ok. Svara.
Vas-y. Mais si tu dis, par exemple, qu'il faut qu'ils soient horizontaux, je comprends qu'entre les deux, il y a trois tefachim parce que ça fait de la voûte. Ou Moins s'ils sont verticaux, entre les deux, il faut qu'il y ait trois tefachim parce que ça fait les voûtes. de trois tefachim. Moins de trois tefachim, évidemment. Mais si tu fais Shetiva et Erev, les deux à la fois, pourquoi tu es machmir comme ça? Il faut deux fois la voûte. Non, c'est pas deux fois la voûte. C'est-à-dire que pour lui, une véritable mechitsa, que pour une mechitsa, il faut, à mon avis, ça doit être un ligne de Rabbanan, pour vérifier. Ils ont demandé que une vraie mechitsa, pas une Ça veut dire que mechitsa légère, au Sheti ou Erev. Une vraie mechitsa, c'est lorsque. l'évoud ne suffit pas. Ça veut dire que l'évoud ne suffit pas et il faut doubler Voilà, on ne le veut pas, on veut pas s'appuyer bon, exactement, on ne veut pas s'appuyer avec ça. Très bien. Après, on continue. Ils ne disent pas du tout une des deux choses au Sheti ou suffisent. On verra dans la demain, Bezat, non pas demain, parce que demain on ne fait pas. Donc après-demain, on verra que Hachamim et les Hachamim de la Biouda, ils disent a priori la même chose. Quelle est la différence entre les deux? Gemara, Amara Vamnuna, Amara. Bon, ici, il y a des pires pourquoi on est Golès Amara ou pas. Comme ça, Dirk Doukhe Sofrim, il est dans ça. Allez, Amrou, Omed Merubé à la Parousse, Bechetti, Ave Omed. On a déjà dit en haut, bien qu'il y a des pilsotes, des grandes pilsotes, ouais, eh bien, Chéti, si maintenant on met Merubé à la Parousse dans le Chéti, ouais, c'est bon, ah ouais, on met. Où est-ce qu'on a vu ça? Regardez Rachi. Allez, Amrou, on met Merubé à la Parousse de Chéti, ah ouais, on met. Le chute, c'est l'horizontal ou le vertical? Vertical. Vertical. OK. Afagav de Ika Rachi. Afagav de Ika Persot, que détenant l'Aïl. Belo Yehu Persot Yeterot à la Binyan. La Mishnah, vous vous rappelez? On a dit Lo Yehu Persot Yeterot à la Binyan. À la Mishnah précédente. Lo Yehu Persot Yeterot à la Binyan. Oustam Klibema, parce qu'on a dit qu'on fait les méchissas avec des ustensiles d'animaux. Oustam Klibema, Shel Shetiu, Shomed Agabekarka. C'est déposé, donc c'est du Sheti. On a. Donc, on a vu, dit Rav Amnouna, Omed Merubé à la Parousse, Bacheti, c'est bon. Ba'er Rav Amnouna, c'est quoi la question qu'il demande? Ba'er Ev Mai, dans l'horizontale, quel est le djinn? C'est quoi la question? Regardez Rashi. Ba'er Ev Mai, Mehavalim, des Matitin, les Kalemilaf, Erchera, des Atam, Kulu, Omedou, de quelle la voûte d'amis? J'ai dit, mais c'est quoi la question là? Je ne comprends pas. Bah, elle est maille, mais voilà dans la Mishnah, on a que des petits fils, on a plein d'ouvertures entre, c'est autorisé. Il dit, ah, c'est pas une question là-bas. Là-bas, comme tu fais la voûte, c'est comme si c'est fermé complètement. D'accord? Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux une pirsa, ce qu'on appelle une pirsa. D'accord? Et je veux savoir si le remède dans le. Ah, le remède, il est plus grand que la pirsa. Ouais, est-ce que ça marche ou pas? Aussi dans le réel. Non, nous, on aurait dit Maïchna. Encore quelle différence? Pourquoi tu aurais une avamine de faire un hilou? Ouais. Bon, il pose quand même la question à la là. Je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête. D'accord? On va voir. On va voir dans la suite de la Gemara. Ba'er Evmaï. Amar Abaye. Tashma. Shi'ur Havalim ve'ovian yeter al tefah. On a vu dans notre Mishnah. Shi'ur Havalim et le Rovi. Il faut que ça dépasse le Rovi Yeter al Tefah. Chez Yakol, Asarat Fahim. Afin que tout ça fait une hauteur de 10. Ve'ita Lamali Yeter al Tefah. Pourquoi j'ai besoin, demande Abaye. Abaye va faire un dur. Pourquoi j'ai besoin que la corde fasse Yeter al Tefah? Tefah et trois machines, ouais. Liavi pachot mishlosha. Le hevel mashiu. On n'a qu'à faire comme ça. À partir du sol jusqu'à moins que shlosha. Ouais. On fait un hevel mashiu.
Upahot Mishlosha. Encore une fois, du premier fil, on monte moins de 3 et on met un fil qui fait Mashiou. On est arrivé à 6 là. Et après, Upahot Mearbara. Et après, je fais un espace de moins de 4. Et je mets un fil que j'ai là. J'ai eu 6 fermés. J'ai 10 en tout. J'ai 6 fermés et 4 ouverts. C'est ça? Un peu moins de 4 ouverts. 6 fermés et un peu moins de 4 ouverts. Donc ici, j'ai bien combien? J'ai bien remède. Dans Erev, on met une plus grande quantité que le Parous, parce que j'ai 6 fermés et 4 ouverts. Pourquoi le Tanaï ne dit pas ça? Pourquoi le Tanaï était obligé d'arriver à... Le Tanaï était obligé d'arriver à ce que la somme des cordes, elle fait un Tefah et Mashiou. Même comme ça, c'est ça qui va arriver réellement. C'est-à-dire, tu fais Pahot Mishlosha, et après Hebel Dimashio, et l'autre Hebel Dimashio, et l'autre Hebel Dimashio. Si tu fais les trois Abalim, ce Mashio, ce Mashio, il va devenir Tefah Mashio. Pourquoi? Pas du tout. Je fais 3 Tfahim moins 0,1 cm. Je fais un fil qui fait 0,1 cm. Je suis à combien maintenant? 3,4. Non. Je suis monté du sol de 3 de Fahim moins 0,1. OK. Et j'ai mis un fil à cet endroit-là de 0,1. Je suis à combien? Réponds-moi, je suis à Shlosha. Très bien. Okay. Je fais la même chose. De 3 à 6. Je m'arrête à 6 moins 0,1. Mmh. Oui, et je mets un fil qui fait 0,1. Je suis à combien maintenant? À 6. À 6 Tfahim pile. Comme voilà. Je dis la voûte, ça s'appelle 6 fermé. Ok. Ça s'appelle 6 fermé. Après, je monte moins de 4 Tfahim. 4 moins 0,1. Et je mets un fil de 0,1. Ah, okay. Alors, tu vas me dire, je ne dis pas la voûte ici, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est pas grave, tu as 6 fermé dans le RLM. Tu as 6 fermés. Oui. Donc, tu as dû remettre Meroubé à la Parous. Et tu vois bien que Tana, il n'a pas dit ça. Donc, remettre Meroubé à la Parous, ça ne marche pas dans le RF. Ça marche dans le Shedi, mais ça ne marche pas dans le RF. Voilà le duo. Le Tana, il a exigé que les trois Havalim font une somme de Tefar plus. Pourquoi elle n'a pas trouvé ton système à toi, ce que je viens de proposer? C'est parce qu'on ne dit pas. Voilà le djur d'Abaye. Demande la Gemara avec Isbera. Aïe, pahot, me'arba, echa, mokimle. Comment, Abaye, tu veux résoudre avec ça? Ton pahot, me'arba, où tu vas le placer? Et mokimle, tata'e, si tu vas le mettre en bas, ça s'appelle pas une mechissa, ça. Parce que les gdim, ils peuvent marcher en dessous. D'accord? Ta mechissa, elle saute. Tes 6 en haut, ils vont sauter. Les 4, ils sont en bas. Les 6 en haut, ils vont sauter. Oui? Si les 4, ils sont en haut, comme moi, j'ai décrit tout à l'heure. On va t'aider. Le avir de chaque côté, c'est-à-dire le avir qui se trouve au-delà du troisième fil jusqu'au ciel, et le avir qui est entre le deuxième et le troisième fil, la quatre fahim, il est mevatel le quatrième fil. Oui, il mevatel la mechissa. Pourquoi on le dit comme ça? Hein? Et supposons que c'était 3-3-3. Quand on ne dit pas le avir de haut, 3-3-3 là. Attends, ce n'est pas 3-3-3. Si c'était 3-3-3, oui, ça s'appelle la voûte, c'est comme si c'est fermé.
On n'a pas trois, on a quatre. Ah, ok. Ah, tu as quatre, ce n'est pas fermé. Alors, tu as un fil au milieu, quatre en bas et l'infini de l'autre côté. Ouais. Donc, il m'a pris la ilaïe. Tu as vu là, d'Aïgessa ou Aïgessa. On va t'aider. Et il m'a pris la bémissaïe. Et si tu vas me dire le 4 Fahim, il se trouve au milieu. Awele, Romed, Merubé, Ala Parous, Mishter ou Chot. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi le cas? J'ai 0 à 3. Après, j'ai de 3 à 7. Et après, j'ai de 7 à 10. Alors, dans ce cas-là, Awele, Romed, Merubé, Ala Parous. Le Romed, il est plus que le Parous. Que lorsque. J'utilise les deux omdim, le 3 et le 3, le 3 d'en haut et le 3 d'en bas, pour gagner le 4 du milieu. Oui? Shabbat Mina, Omed, Berubé, à la Parous, Mishter, Hot, Awe, Omed. Quoi, tu veux déduire que tu vas apprendre que Omed, Berubé, à la Parous, des deux côtés, ça plus ça. Awe, Omed, ça s'appelle Omed. Alors là, bon, nous on aurait dû poser la question, eh ben, pourquoi pas? T'as qu'à dire oui et c'est tout. Ouais. On dirait pas oui. Omed Merobe à la Parous Michel Ohan, ça s'appelle Omed, donc c'est ça le dur d'abayer. Ouais, mais je peux te dire que l'autre ne pense pas comme ça. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas être médaillère de là. Tosfot, ils disent, regardez Tosfot, Imokila et Bémisre, Avele Omed, Merubé à la Parous, Mishterouchot. Tosfot, ils disent, Velo Avele Omed. Ils disent, et ce n'est pas Omed. Pourquoi? Mishum, Dati Avila, Daigisa, ou Daigisa, Mbatele, il dit, parce que le Avir qu'il y a entre le milieu et le ciel, jusqu'au ciel, c'est-à-dire les trois derniers. On a quoi là? On a trois, quatre, trois. Les trois derniers, ils sont encadrés par quatre d'un côté et l'infini de l'autre côté. Donc le 3 du milieu, le 3 qui est en haut, il saute. Voilà pourquoi pour la Gemara, selon Tosfot, ça ne marche pas. D'accord? Donc on ne peut rien apprendre à partir de notre Mishnah. Parce qu'ils ne sont plus la voûte. Oui. Papa, ton cas à D'accord, toi, voyez que d'accord. tu as voulu appeler, proposer et résoudre avec ça, ne peux pas le réaliser. Et la Voilà. Gemara, et là, Ramnouna, Achita Mebayale. La Ramnouna, voilà la question qui se pose. Egon Daichi Marcelet. דאווה שבעה ומשהו, וחקק בה שלושה, ושבק בה ארבעה ומשהו, והוקמה בפחות משלושה. וואו. Donc résumons là, où est-ce qu'on en est dans notre Gemara? On résume tout ce qu'on a dit. On avait une barrière de Rav Hamnouna. Est-ce que barrière, on dit parous, Merubé, À la remède. Omed, Merubé à la Parous, pardon, ça marche ou pas? Chéti, ça marche. Est-ce qu'on le dit aussi dans la RF? Abaye, il a voulu répondre à la question. D'accord? À partir d'un jour de la Mishina. Pourquoi le Tana, il a besoin d'avoir un Hevel qui fait Tefar plus. Même moins que ça aurait dû marcher. Et là, Gmara, Ali, ce n'est pas possible. Ce que tu as proposé à Abaye, ce n'est pas possible. Où tu vas mettre les quatre fahim, là où tu mets, il y a un souci. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas répondu à la question de Rav Hamnouna, finalement. Alors, pourquoi la Gmara, elle continue, elle dit Ella Rav Hamnouna. Pourquoi la Gmara, elle continue Ella Rav Hamnouna, Achika Mebaele. Pourquoi la Gmara dit Achika Mebaele? C'est quoi, finalement, le cas de figure de Rav Hamnouna?
pour qu'on puisse se poser une question, Bichlal. C'est quoi le cas de figure de la Mamnouna? Parce que sinon, on a répondu au cas. Si c'est dans les cas des fils, on règle le problème. Comme on l'a dit, si c'est en haut, c'est un problème. Si c'est au milieu, c'est un problème. Et si c'est en bas, c'est un problème. C'est-à-dire que ça marche dans aucun cas. Alors, c'est quoi le cas de la Mamnouna où on peut se poser la question? Voilà où on est, ce qu'on en est. Répond la Gemara. Et là, la Mamnouna, Achika me baile. Kegon daichi marcelet d'Abe Shiva. Il y a une marcelet qui est haute de cette fahim. Le hakak bash losha. Il a fait un creux de 3. Le shavak ba arba. Et il a laissé 4. Donc la vérité, si vous faites, vous laissez 4, vous coupez 3, il reste rien. En fait, ce n'est pas medouya. Pas medourda. D'accord? Le shavak ba arba, pardon, omashu, voilà. 4 omashu. Et maintenant, cette marcelette-là, tu l'as mis à moins de 3 farim par rapport au sol. Donc, tu avais une marcelette qui fait Shivra ou Machéou, 7 plus. Quand tu la mets à 3 moins du sol, on est à 10. D'accord? On est à 10 de hauteur. Maintenant, dans cette marcelette de 7 ou Machéou, de largeur, Hakak Bash Losha. Il a creusé 3, il me reste 4 plus. Il y a 4 d'un côté et il y a un machéou de l'autre côté. Vous allez voir la photo, vous allez comprendre de quoi on parle. Regardez la photo. Elle est où cette photo? 234, 2, 3, 4. Amos. Oui. Alors, le petit bête, c'est 3 mois. Après, tu as 3 tfahim, donc il n'y a plus la voûte. Et après, tu as 4. Le petit bête, c'est 3 mois, c'est celui-là, alors. Voilà. Après, il y a 3 tfahim. Voilà. Après, il y a 3 tfahim purs. Après, il y a 4. Donc là, on a que dans le RF. Le 4. Quand on a plus de remèdes que de paros. Tu as 4 d'un côté et 3 de l'autre côté. Et 3 de vie de milieu. D'accord? Ouais. Donc on a plus de remèdes que de paros. Ma'adine. Voilà le 4 figures de Rav Amnouna. L'Agmara n'a pas répondu. Ça, c'est un premier der. Continue l'Agmara. Ravashi Amar Mechisat Louya et Baile. Pas du tout. C'est quoi la question de Rav Amnouna? Quel est le djinn si c'est une Mechisat Louya? Une Mechisat suspendue. Une Mechisat de Ditorim suspendue. D'accord? Une Mechisat Louya, une Mechisat, non? Très bien, on va répondre comme ça. C'est quoi le cas? Explique Rashi. Marcel est Asara, Shigbia, Minakarta, Shlosha, Yoter. Maintenant, il a élevé de 3 Tfahim ou plus, de telle sorte que le remède qui est dit Fahim, c'est plus grand, c'est en plus grande quantité que le vide qu'il y a en bas. D'accord? Voilà la question qu'il a posée. Est-ce que le remède, il gagne le palous ou pas? C'est ça la question. Kedeba'a minera rabbi tabla merav. Comme rabbi tabla a posé la question à Rav, Mechisat Louya, Maouchetatir Bechurba. Est-ce qu'on peut autoriser dans une ruine Amalen Mechisat Louya Materet et la Bemaim, Aloucheril Haramim Bemaim. Bien qu'il y ait des poissons là-bas, on ne va pas dire les poissons Bokhimba. Aloucheril Haramim Bemaim. Et à cette question de Rabam Nouna Bemet, il y a eu une réponse. Quoi? Tosfot, il mourit là. On n'a pas fini Tosfot. Mais caché la assar mikos. Oui, tu te rappelles Tosfot? Il y a longtemps qu'on a. D'Akati, il y a encore un cas de figure qu'on peut s'imaginer. D'Akati, n'a avit pachot mishlosha, ve hevel machéou. Ou pachot mishlosha, wahesi, ve hevel machéou.
ופחות משלושה וחבל חצי טפח או משהו. למה לי עובי יתר על טפח? D'accord. L'Agmara l'a repoussé à Abaye pour lui dire comment Abaye, dis-moi. Abaye ne comprenait pas pourquoi on a dit tefah. Même si le fil ne faisait pas un tefah plus, je pouvais trouver un autre cas. Et donc, du coup, répondre à Abuna. L'Agmara l'a repoussé à Abaye. Oui, mais Hassan Mikos s'est dit mais il a raison, a priori. On n'a pas besoin toujours d'un tefah. Voilà le cas. C'est quoi le cas? À partir du sol, tu montes de trois tefahim moins. Et tu mets un fil d'un machéo. On est à trois maintenant. Après, tu refais 3,5. Ou par contre, 3,5 moins. 3,5 moins. Ouais. Et tu fais un fil de machéo. Donc, on a combien maintenant? On est à 7,5 pi. 6,5. Ouais. Et après, tu prends Hevel, où je suis là, au Parhop Mishlocha. Après, tu reprends moins que 3 et tu fais une corde de combien? De combien la corde? Là, on est à combien? Si on fait par 3, on est à combien? On était à 6,5, on devient 9,5 moins. Moins un petit phare. Moins, 9,5 moins. Rajoute une corde de hacité phare plus, et tu es à 10. Et donc, l'arlam, tu n'as pas besoin d'une corde d'un téphare. D'accord? Téphare, ça suffit. Donc, tu as voilà, une corde de hacité phare plus. Ça suffit. Pourquoi j'ai besoin que le Ravi fasse plus qu'un Tefa? Comment c'est la question? Quoi, de toute façon, tu comprends que une corde, elle fait un Tefa. Non, c'est la somme des cordes qui fait un Tefa. Et là, j'ai quoi là? J'ai Machéo. J'ai Machéo. Attends. Machéo, et une corde d'un Khatitefar. Alors, par contre, Michoucha va Hessi. Je vais le Machéo. Donc, j'obtiens quoi là? J'ai 3 en bas. 3,5 de vie de milieu. Et après, j'ai combien en haut? 3. Et après, j'ai 3,5 encore. Donc, j'ai 3,5. Voilà, j'ai une corde. Encore une fois. J'ai 3. Ça s'appelle 3 pleins parce que je fais la voûte. Après, j'ai 3,5. J'ai 3,5 de vide. Et après, j'ai encore 3,5 de plein. Parce que j'ai la corde, elle fait Hassi Tefa. Ouais, avec la voûte. Donc j'aurai 3,5. J'aurai 3,5 de plein. 3,5 de vide. Et 3 de plein. D'accord? Et donc voilà. Pourquoi on n'a pas été mokim comme ça? Voilà la couche. Pourquoi on n'a pas été mokim comme ça? Pourquoi il n'a pas dit ça? S'il n'a pas dit ça, c'est comme ça ne marche pas. Parce que quand tu as le. Comment on appelle ça? Le Omed Meroubé à la Parousse dans le RLM, ça ne marche pas. Donc, toujours dans le sens d'Abaye, on aurait pu être derrière de la Mishnah. Le soit de répondre le schéma Bernian Zé à Tile Mitre. Tana, il ne veut pas autoriser quelque chose comme ça parce qu'il risque de se tromper. Bon. J'aurais une autre raison pourquoi Tana, il n'a pas dit ça. Ouais. Fin de cette sougia. On continue. Mekifin Bekanim. On a vu dans la Mishnah
on peut faire une mechitsa avec des kanim comme ça, comme on a vu dans la photo. Beshayara in, beyahid la. Rabbi Yehuda, il a dit, beshayara, ça marche, mais pas un yahid. Un convoi, oui, mais un particulier, non. Demande la grande avatar, Rabbi Yehuda, omer kol, mechitsot, shabbat, lo etiro, le yahid, yotel, mi bet satayim. Voilà, Rabbi Yehuda, il a dit, tous les mechitsot, comme mechitsot shabbat, lo etiro, le yahid, yotel, mi bet satayim. On n'a pas permis à un yahid plus qu'une étendue d'un bet sataïm. De quel mechitsa on parle? On ne parle pas du mechitsa quelqu'un, il a un palais chez lui. Il a un palais, et si c'est 10 km, c'est bon, ce n'est pas ça qu'on parle. Rachid dit, on parle des mechitsot ruwat, là, ou chez Tiwael. D'accord? Cela, on les a permis au rabbi Malidéatrap, au yahid, on ne l'autorise pas plus que bet sataïm. Donc, on voit bien que quand même, on a autorisé Bet Sataïm. Or, dans la Mishnah, on voit que la Bihouda dit que ce qu'on a autorisé, c'est à la Shayara et pas au Yahid. Mais on voit par ailleurs dans la Braïta, c'est quand même Bet Sataïm, c'est-à-dire 100 amot sur 50 amot. Et pour la Gemara, qui est dans Mara Abrahman, qui est Mara Bivi Barabayi, l'on Israël, elle a l'itène, la haine, qu'on sorcane. Par ailleurs, Rahman, pour la Vivi Barabaye, ils ont dit, on va voir c'est où le par ailleurs juste après. L'on isrecha l'alitin la haine kolsorkan. On leur a donné ceux qu'ils ont besoin. L'on isrecha l'alitin la haine kolsorkan. Regardez Rashi. Vous voyez Rashi? Et où est-ce qu'on a vu Rav Nachman et Itmar Abivi Barabaye? Où est-ce qu'ils ont parlé? Ah, dit-nan, sur la Mishnah suivante. Kol mechisa shena shel shechi wa erev, ena mechisa. Ils ont dit, tout mechisa shena shel shechi wa erev, qui n'est pas longueur et largeur, en même temps, ce n'est pas une mechisa, dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Donc on voit que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il est mahmir, il veut mechisa shechi wa erev. Sinon, ce n'est pas une mechissa. Mon agmara o miyama Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Yehuda. Achi, est-ce qu'il a dit une telle chose? Ve'atanya ehad yahid ve'ehad sheyaram la havalim. Que ce soit yahid ou une sheyara, ils ont le djinn des havalim. Oma ben yahid et sheyara, quelle différence entre les deux? Yahid notim lo bet sataim. Yahid, on lui donne bet sataim. Pas plus. Il y a plus que Bet Sataïm, il n'a pas le droit de porter. Shnaïm, s'ils sont deux personnes, on leur donne encore Bet Sataïm, le même chiro. Par contre, dès l'instant on arrive à trois, ça s'appelle une Chayara. Shlosha, na, su Chayara. Venotin laen Bet Shesh. On leur donne pas Bet Sataïm, Bet Shesh Sea, ça veut dire. Bet Shesh Sea. Divre Rabbi Yossi, be Rabbi Yehuda. On voit ici que Rabbi Yossi, be Rabbi Yehuda, bien que dans la Mishnah, elle a dit Sheti wa Erev, sinon non, on voit qu'il a permis Sheti wa Erev à un Yahid, Bet Sataim, et une Shayara, Bet Shesh. Donc on voit bien qu'il a autorisé. Hachamim, on dit, mais Haj Yahid, et Haj Shayara, nous sommes même comme sur le cas. Hachamim, ils ne font pas de différence. Et dit un particulier ou bien un groupe, on leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Bilvat Shiloye, Bet Sataim, Panouy. Pourvu que dans l'étendue, il n'y ait pas un Bet Sataïm sans rien. D'accord, regardez par exemple. Bet Sataïm Panouï. La photo de 138. Par exemple. Ouais, non. Et... Fameuse. Oui, oui. Regarde la photo, il y a, plein de choses. Le Aleph, c'est il y a Bet Sataïm ou il n'y a rien.
Ah. Il ne faut pas ça. Donc, à cette question-là, Amar Rav Nachman, ou Itemar Rav Vivi Bar Abaye, lo nisrecha ela liten lehen kol sorka. Ça veut dire on leur donne ce qu'ils ont besoin. Ça veut dire cette phrase-là. Attends, je reprends encore Rashi une fois. Je reprends Rashi. On a vu deux fois cette phrase-là. Hein. Une fois dans le dossier de Rabbi aussi ben Rabbi Yehuda. On vient de voir maintenant. Une fois dans le dossier de Rabbi Yehuda. Donc je répète. C'est quoi le résumé de la Gemara? Gemara a dit, Rabbi Yehuda dans la Mishnah, on a l'impression qu'il autorise Sheti ou Erev uniquement pour Shayara, mais pas pour Yahid. Pourtant, on a vu qu'il a autorisé pour Yahid, comme Hitot Shabbat le tir ou le Yahid, Yotel mi Bet Satami. Bet Satami, c'est autorisé. Ça, c'est une question. Deuxième question, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il dit Sheti ou Erev, c'est pas, si y a Sheti ou Erev, c'est mieux que ça, sinon non. Et par ailleurs, on a vu que même si c'est Sheti ou Erev, il a permis pour un Yahid Betsataim, même pour deux personnes Betsataim, et pour trois, il a permis Betshesh. Donc on voit bien qu'il a permis Betsataim pour un Yahid, comment, bien que ce n'est pas Sheti ou Erev. Aux deux questions, la même réponse. Liten la haine, l'on isrecha et la liten la haine, kol sur kan. Kol. Sorkan. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol Sorkan, tout ce qu'ils ont besoin. Quand Rabbi Yehuda a dit, Shayara, c'est autorisé, pas Yahid, c'est quoi la Kavana? Il était le Kol Sorko. Ouais, Benach Mechis Sorkan. Je peux leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Ouais. Aval Bet Sataim. Mais Betsataim, Badaya Vinale, ou il ou le dira et Kifa. Mais Betsataim, c'est sûr que je lui donne. D'accord? Ou Yahid. Ou il ou le dira et Kifa. Ou Beha Shayera Adifa. Maintenant, Shayera, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est quoi? Daya Vinale ou Kol Sorka. On leur donne tout ce qu'ils ont besoin, même si ça peut faire, ça peut être énorme, on autorisera quand même. Mais si c'est un Yahid, on se restreindra à Betsataim. Plus que ça, il n'a pas le droit. Wow. Voilà comment la Gemara répond à la question. La même chose au niveau de, comment on appelle ça, de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Quand on a dit qu'il faut mechitsa Sheti Va'erev, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut, même si c'est énorme. D'accord? Mais si c'est que Sheti Va'erev, il aura le terre de Bet Sataim, et si c'est trois personnes, il aura Bet Shesh. Point. Voilà la conclusion de la Gemara. Là, on fait encore une petite memra et on s'arrête là. On s'arrêtera dans le Zayin, Bazat Hashem. Darash Rav Nachman, Mishum Rabbeinu Shmuel. Il y en a qui disent Darash Rav Nachman, Mishum Rabbeinu Umano Shmuel. C'est qui Rabbeinu, c'est Shmuel. Donc, il a fait, Rav Nachman, il a fait une drasha devant les Talmidim. Yahid Notnimlo Bet Satay. Si c'est Yahid, il est dans la campagne, on lui donnera Bet Satay. S'ils sont deux personnes, notin la haine, bet sa taille. Si maintenant ils sont trois personnes, shosha, la sou shayara, notin la haine, bet shesh. C'est qui ça? On parle bien sûr de Mahisa ou Sheti ou Erev. De qui on parle? Qui c'est qu'on a entendu dire ça? Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, n'est-ce pas? Les Talmidim, ils ont demandé, shavart rabanan ou avat, que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Quoi, t'as laissé Rabbanan pour faire comme lui aussi, alors il a changé d'avis. Adar Oqim Rav Nachman Amora Ale. Il a remis un Amora et il a refait la Drasha. Vedarash. Dvarim Shamad Jilifnechem Taout Hen Biyadi. Ce que je vous ai dit, c'est une erreur. Beram. Cependant, Kach Amru. Comme ça, ils ont dit des Hafamim. Yahid Natnimlo Bet Satay. Voilà. Il n'a pas changé d'avis. Il n'a toujours pas changé d'avis.
Ah, d'instant, ils sont trois. On leur donne tout ce qu'ils ont besoin. On demande l'agmara. Les deux premiers cas, c'est. Ok, le troisième cas, c'est la banane. Mais les deux premiers cas, ce n'est pas la banane, c'est la biocybe et la biouda toujours. Les chats, la biocybe et la biouda, mais c'est pas la banane. Répond l'agmaraïn. Oui. Ça peut arriver. Pourquoi? Mishum de kai aboua beshitate. Oui, au sujet de Mehissa Shetchi ou Erev, Rabbi Ouda, qu'est-ce qu'il pense? Yahid aussi, je n'ai pas le droit de dépasser. On a vu dans la Braïta avant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a vu dans la Braïta? On a dit Kol Mehissot Shabbat, Rabbi Ouda Omer, Kol Mehissot Shabbat, lo etiro le Yahid, yotel mi betsataï. Donc, on voit que Rabbi Ouda aussi pense que les Mehissot Shetchi ou Erev, pour Yahid, c'est pas plus que. Bête Satan. Donc, ça fait qu'il y a deux qui pensent comme ça. Et Rabbi aussi, et Rabbi aussi, Rabbi Houda, et son père Rabbi Houda. D'accord? Donc, comme ils sont deux, c'est pourquoi Rabbi Nachman il a tranché comme eux. Voilà. Maintenant, trois, quand ils sont trois, qu'est-ce qui se passe? Rabbi aussi, Rabbi Houda, ils pensent Bête Comme ça, il y a Chèche. là. Bête Chèche. Et Rabbi Houda, il pense comment, lui? Comme Il pense Chayara. Il pense Shayala, tu fais ce que tu veux alors. D'accord? Selon lui, il pense que tu fais ce que tu veux. Donc, comme Rabbanan. Donc, autrement dit, la tranchée est quelque part comme Rabbi Houda. Voilà ce que ça sort finalement de son psa. Voilà pourquoi il a tranché ainsi. Chaque fois, il y a deux. Donc, là où il y a deux, ils ont tranché comme eux. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Très Dis-moi bien. alors, comment ça va le corona en France? Je ne suis pas trop la vérité. J'ai entendu que les lits se libéraient et qu'il y avait, Shabbat, j'ai entendu qu'il y avait des Belges qui amenaient leurs malades en France, puisqu'il y a des lits qui se libèrent. Mais c'est tout. D'accord. Là là, Ah. ça. Et en Israël? En Israël, c'est pas beaucoup mieux. Ben, c'est vrai, sincèrement, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Un jour, ils disent les lits de Bakim, ils sont moins. Un jour, ils disent plus. Et les autres, ils veulent ouvrir leurs affaires. Ils veulent rentrer à l'école. C'est toujours c'est politique. Hein. Mais bon, il faut faire attention. OK. Allez, très bien. Demain, on fait pas votre HM, hein, donc on se voit Juste bon après-midi. Mercredi. Votre HM. Allez, quand tout. Allez, bye Manu, bye. une petite question. Salut.